Salut tout le monde, c'est Akiba, et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 7 de Rogue Legacy. Yeah. J'ai mal à la gorge, ça y est, je commence. Alors, je me rappelle plus où on en était la dernière fois. Je me rappelle plus, j'avais combien d'argent, etc. Donc, allez, c'est reparti, on va essayer un peu de farmer tout ça et de s'améliorer. Je parle bien sûr au niveau équipement, parce qu'on a un équipement un peu pourri. Mais on va essayer d'améliorer tout ça. Vous aimez les hommes? Non, pas trop. Vous ne voyez pas en 3D. Non, mais je veux juste savoir, en fait, si quelqu'un sait, parce que peut-être c'est vrai, mais cette caractéristique, ce trait, sert à quoi de savoir que mon perso est homo? Je ne vois pas l'intérêt qu'on nous le dise. Enfin bref, passons. Alors, héros de base, spécialisé bouclier, nanana, les poignards. Insensibilité congénitale à la douleur. Vous ne connaissez pas la douleur. Endomorphie. Voilà. Vous êtes trop lourd pour que vos ennemis puissent vous repousser. Héros d'acier. Je crois que je vais prendre le cuir. Hein. Ça m'a l'air d'être le plus performant en tout cas. Non, tout ça. Ah, 760. 760 dollars. Pièces d'or. Alors, on va améliorer quoi? Amélioration de cuillet. J'ai bien envie d'améliorer ma vie. Dégâts magiques. 1300. Ça va être compliqué là. Alors, on va peut-être améliorer les dégâts d'attaque. Ou on va améliorer ça. Oui, on va améliorer ça. Ouais. Allez, soyons fous, on améliore ça. Allez, c'est parti, mon kiki, on y va. Alors, est-ce qu'on arrivera au moins à voir la tête du prochain boss? Ce qui serait vraiment génial en soi de faire. Alors, bien sûr, j'ai pas sauvegardé l'ancien château, étant donné que je me rappelle absolument pas de comment il est. Donc, il n'y a aucun intérêt à le garder. Hop, on casse tout, on prend tout. Ici. Alors, on va descendre. Voilà. Ça y est, ça commence. Le fail attaque, mon dieu. Voilà, toi tu meurs. 15 PV. Je vois pas mes PV. Je vois pas. Ah, je crois que c'est ça en fait. Je suis insensible à la douleur. C'est parce que je vois pas mes PV. Je ne sais pas, il en a combien? Mon dieu, mais comment allons-nous faire? Bon, ça c'est une chose sur laquelle il faudra faire encore plus attention. Il y a un coffre au bout. Il y a un coffre. Ouais, c'est bon. Voilà. Meurs, mécréant que tu es! Voilà, ça c'est bon. Je voulais juste voir si je passais. Hop. Voilà. Hop. Voilà, là pour l'instant ça va, là pour l'instant c'est assez facile, on s'en sort bien. Voilà, 100 pièces d'or, c'est parfait. On va faire ça tranquillement, on va faire le niveau tranquillement, on va farmer. Tranquillement. Allez. Voilà, concentration égale réussite. C'est un magistral bordel là-dedans. C'est hallucinant comment je vais me faire déglinguer. Je disais, ouais, on va essayer de jouer doucement et tout ça, on va bien prendre notre temps et tout. On va rien faire du tout, ouais. Voilà, déjà je commence à faire n'importe quoi. C'est le début d'un grand chaos. Voilà, 2 PV. Ah oui, c'est vrai que j'ai vampirisme. J'avais complètement zappé, quoi. Pour vous dire à quel point je me rappelle de rien. Voilà, allez, coffre, allez. On s'en va. Je vais vraiment aller trop... Je veux aller vite, ça m'énerve. Voilà, ici au moins, voilà, pas de dégâts, rien du tout. Donc, tout en bas, je veux pas y aller, parce que... Vaincre tous les ennemis... Voilà le problème de pas moi. Bon, c'est pas grave, on va dire c'est de ma faute, j'ai qu'à faire plus attention. Alors, un mineur, je crois que je vais prendre lui. Vous souffrez de spasmes musculaires incontrôlés, vous avez peur des poulets.
Ça tombe bien, j'en ai encore jamais vu, donc je pense que c'est pas trop problématique. Même le héros le plus vaillant, même les héros les plus vaillants peuvent s'ouvrir d'un coup. Vous êtes incapable de distinguer les gens, d'accord. Bouclier, nanana, champion, nanana, vous êtes un bon conducteur d'électricité, d'accord. Donc, on va prendre le premier, hein, le mineur. J'ai envie de farmer de l'argent, j'ai envie d'être riche. J'ai envie d'avoir. Il y a eu le moment un peu. Oh mon dieu, pourquoi? Bah, parce que tu montes de level et du coup ça coûte de plus en plus cher, très cher. Alors, donc 500. Voilà, je peux améliorer mes dégâts magiques. Je crois que c'est mes dégâts magiques. Renforce votre force mentale pour augmenter votre stock de mana. Voilà, le stock de mana. Mais on va essayer d'aller voir si Jean-Pierre le forgeron n'a pas quelque chose pour nous. Alors, dégâts. Oui. D'accord. Donc là, dégâts plus 2, plus 4. Bon, propriété plus 1 de vampirisme. Donc là, ça me ferait 4 points. 3 points de vampirisme en plus. Mais je perds de la vie. Ça, c'est un truc à souligner. Déjà que j'ai du mal avec la vie que j'ai de base. Alors là, c'est même pas la peine. Ah, je gagne 30. Je gagne 2 en armure. Et je perds moins 5 en. Mais je perds mon vampirisme. Donc je vais le garder. Magie. Et nos idées. Plus 4 de chance critique, plus 15 de dégâts critiques. Oh, mais ça c'est bien ça. Bon, 1300 quoi. On peut pas vendre des objets, ça aurait été bien de pouvoir vendre tout ça. Plus 5 de vampirisme. Je perds de la vie quand même. Je perds de la vie, messieurs. C'est pas cool quoi, de me donner ce truc là alors que derrière il y a un truc encore plus. Plus les ennemis sont forts, plus le butin importe. Incubule les ruines pour affronter. D'accord, mais j'ai pas assez de toute façon. J'ai pas assez. Je passe très vite sur ce que j'ai. Sur ce que je ne peux pas prendre. Et j'ai pas assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer mes trucs de. Ouais, je vais améliorer mon stock magique. Oh, quoique je peux améliorer mes dégâts magiques. Non, le stock, pardon. Les dégâts magiques qui sont là. Que je peux pas. Voilà. Moi c'est clair, je ne peux pas. Donc on va prendre ça. Le stock de magie, le stock de mana, le SM, hein, comme on l'appelle dans le jargon. Il y en a beaucoup qui aiment d'ailleurs cette spécialité, cette spécialisation, je dirais, dans certains jeux, et certains en font en vrai. Mais ne rentrons pas dans les détails de ces personnes. Je n'ai rien contre eux, hein, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas superbement fan, ça ne veut rien dire, hein, bien sûr. Du stock magique. Alors le tableau il va mourir ici, voilà. Là vous allez voir un. Non rien. Mieux vaut que je me taise maintenant. Oh un poulet qui court. C'est quoi? Oh mon, je l'ai jamais vu lui. Oh là là, je disais que j'en avais jamais vu, mais d'accord. Ah oui, c'est vrai, j'ai des spasmes. Vous me disiez, ma manette à vivre, c'est pas normal. Voilà. Alors, le poulet, il m'a traumatisé. Je dois avouer que là, je m'y attendais vraiment pas à ça. Mais il y a un coffre? Mais il y a rien. Je n'y vais. Attendez, je scrute bien la zone. Pas de défi, rien. Je m'en vais. Je vais. Ça ne sert à rien de prendre des risques inutiles. Je pense que vous serez d'accord avec moi, donc voilà. À la rigueur, tuer un ennemi comme ça, autant le tuer ici dans le chemin, vous voyez. Pardon. Il n'y avait même pas de chemin derrière eux. Encore, il y avait un chemin derrière eux. Je me serais dit, ah, peut-être qu'il y a un coffre après et tout ça. Mais là, il n'y avait rien du tout. Du coup, vaut mieux pas prendre de risques. Ok, donc, c'est de la tirer en même temps. Voilà, enfin, ces trois-là, parce qu'il y en avait. Troisième. Voilà. Quand vous voyez qu'il y a un silence comme ça après un coup, c'est parce que j'ai envie de dire un truc que je ne dirais pas, bien sûr. Hein. Politesse. Hein. Sachant qu'il y a tout âge, toutes sortes d'âge. Ça ne veut rien dire, monsieur. Arrête de dire n'importe quoi, ça ne veut rien dire. Les personnes de tout âge. Me regarde. Non mais le zombie.
attends que je suis que je suis en bas quoi avant de venir. Sinon c'est pas drôle. Voilà, toi je te tue, je suis concentré. Je suis concentré, concentration au maximum. On récupère l'argent, bien sûr. Le plus important, j'ai envie de dire, dans le jeu. Le plus important même que de le finir. Ça n'a aucun sens. Enfin bref. Poulet ! D'accord, en fait, tous les morceaux de poulet que je vois se mettent à courir. D'accord, je ne savais pas que c'était possible. Non mais mec, viens ici, viens ici ! Comme ça, je t'attaque comme un lâche. Voilà, je t'attaque comme un lâche. Ah, mais j'ai une dague. Ouais, en même temps, vu comment je l'attaque, autant que je l'attaque comme ça. Voilà. Voilà, un coffre, encore. Allez, encore argent, Mopral, tout ça, voilà. Borat et tout, là. On est tous ensemble. Ouah, oui, tire en diagonale. Ah! Mais non, mais on peut pas faire comme Super Mario où quand je vais tirer sur la tête, ça le touche, ça le tue même carrément. Ça peut... Oh là là, je deviens Rothschild, Je suis un homme riche, le loup de Wall Street, voilà, le loup de Wall Street, on va dire ça comme ça. Là, franchement, je farm vraiment, je dirais presque comme un porc. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. Parce que vu le... Non mais attends mec, t'es juste là. Faut que je saute et tape en bas quoi. Alors, attendez. Ouais, voilà, on m'avait dit que le rush était gâchette gauche, hein. Gauche, gâchette droite, droite. Du coup, je voulais le test parce que je viens juste de me rappeler que je l'ai. Voilà, alors, le tableau. Tu meurs. Non. Non. Tu meurs, j'ai dit. Voilà, toi tu décèdes direct... dans l'allée des morts. Mais y a rien en plus. Mais non, mais... Donnez-moi un coffre, je sais pas, encore de l'argent, quoi. Histoire que je sois bien dans ma lancée de l'argent et tout ça. Téléporteur. Donc, j'ai des vibrations. Je me demande sur PC, quand vous jouez clavier-souris, pour s'il y en a qui l'ont fait. Donc, le Maya, on va pas le faire. Je veux vraiment farmer, mais comme un cochon. Hein. Alors... Attendez, hop, on descend tout en bas. On va descendre doucement, hein. On va pas commencer à s'exciter, à dire oh, vite, vite, faut que je sois en bas. Surtout que j'ai 36 points de vie, j'avais pas vu, j'ai plus beaucoup de vie. C'est sûrement un décès très probable dans les prochaines salles. Oui, voilà, ah, l'entrée de journal. J'adore ça, j'adore ce truc-là. Alors, commençons. Entrée de journal numéro 9. La porte qui mène à la salle du trône me rend fou. C'est derrière elle que repose le salut du roi et ma récompense. Mais elle reste silencieuse au milieu de l'entrée du château et me nargue. J'ai essayé de la pousser, de la frapper, de crier « Sésame, ouvre-toi !» Rien ne marche. Des icônes ornées d'un blason sont posées sur les portes. L'une d'elles ressemble à une bête que j'ai esquivée dans les profondeurs du château. Il y a peut-être un lien... Pardon... Mais non, mais il fait quoi ce poulet? Ah oui, le talent de doublage nécessite une voix qui travaille énorme. Mini-boss. Safe strat. Non, je m'y attendais pas. Oh, quand j'ai vu l'os. Vous voyez, c'est un peu ce moment au ralenti, quand tu vois le truc qui te vient dessus, tu dis « Je ne peux plus rien faire, il est trop tard, soit je meurs. » J'aurais tué le squelette géant, j'aurais pu continuer à avancer et tout ça, mais bon, c'est pas grave. On a quand même bien pris d'argent, voilà. On dit des mots qu'ils ne veulent rien dire, bien sûr. Votre héros de bas, nanana, votre vision de... Bon, ouais. Un char sur pattes, voilà, il dit des insultes. Votre héros de base, vous avez deux mains gauches. On va prendre lui. En plus, il a le disque. Hein. 1200. Attends. Non. Pourquoi Caron? Je peux pas avoir un truc pour... Ok. Alors, attends, je vais aller voir d'abord le forgeron.
avant de commencer à dépenser mon argent comme un porc là-dessus. Ouais, mais je perds 30 points de vie. Est-ce qu'elle a plus dégâts, plus 2? Je sais pas si ça vaut vraiment. En plus, 20 de poids, je ne peux pas. Je peux pas. Il ne reste que 5. Donc, il y a ça, à la rigueur. Faut que je vois. Il faut voir. Non! J'étais pas loin de l'avoir, ce truc. Alors, plus 15 de dégâts critiques, je vais peut-être prendre cette cape-là, quoique cette cape. Plus 4 de chance. Oui, bah oui. Donc oui, j'ai plus de chance pour prendre celle-là. Je regarde bien tout l'équipement. Bah ça y est, j'avais fait le tour, moi. Je sais quoi, je vais prendre ça. Hein. Plus 15 de dégâts critiques, c'est avantageux en soi. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais améliorer ma capacité à porter. Plus 10, donc mieux. Ouais, mais je perds pas mal d'argent. 319. Je sais pas si j'aurai assez pour. Non, j'ai pas assez. C'était quoi que je voulais prendre déjà? C'était ça ou ça? Attendez, je sais plus. Attendez, je sais plus. C'était quoi que je voulais prendre? Je ne sais plus. C'est pas plus. Ouais, je sais plus. Donc là, hop, on va voir les runes un peu. Qu'est-ce qu'il y a de beau à prendre? 500, c'est mort. 500, c'est mort. Je crois que c'est mort en fait là. Je crois que c'est que du 500. Ouais. Il me semblait bien que c'était que du 500. Donc, hop, on va faire demi-tour. On va aller voir s'il n'y a pas quelque chose à améliorer pour 319. Ça m'étonnerait très fortement. Non, je ne peux rien faire en fait. Je peux pas placer en bourse. Enfin, en bourse. Je peux pas donner un acompte, style je mets 319 là pour ça et après ça me coûte moins cher. Non, c'est pas possible, d'accord. Bon bah je crois que je suis obligé de donner ça à Caron. Bon bah tant pis, on va donner ça à Caron. Caron, hein, s'ils font les Caron. Bon bah Caron, je te rends riche, hein, je crois. Je ne garde pas mon château exprès parce que je veux farmer de... Avant que vous dites mais pourquoi tu gardes pas ton château? Il était bien sur les avant, tu le connais en plus, tout ça. C'est parce que je veux farmer de l'or. Et quel est le meilleur? Quoique j'aurais pu le garder pour réattaquer ces squelettes de malheur et prendre ma vengeance, tel un. Ah bonjour! Comment t'es va? Allez, tentons le coup! Salut! J'aurai une belle récompense. Vous disposez c'est un cache. Allez, c'est parti. Alors. Ça va être chaud. Ouais, non, mais je vais pas y arriver. Parce qu'il me reste encore tout ça. Récompense, ouais. Vous avez laissé plus de 10. J'imagine que vous ne voulez pas non plus. Bon, moi j'ai gagné 360 or. Bon, ça va. Ça va. Hein, ça va. Il y a eu quand même quelque chose de correct, dirais-je. Alors. Attaquons, mes frères, le château de la mort. Il y a un coffre, hein. C'est trop. C'est pas grave. Voilà, il y a un coffre. Je me suis fait allumer. C'est pas grave. Vaincre tous les ennemis. Non mais je peux pas, ceux d'en haut, je peux pas les battre. Non mais mec, s'il te plaît, tire en haut. Tire vers le haut. Bon bah je peux pas. Allez, on change de lieu, hein, on va changer de lieu. On va continuer de monter. Si j'atterris dans le Maya, je le fais. Ah non, j'ai l'air je le fais, mais non. Je fais n'importe quoi. Aïe, non. Oh. C'est pas vrai.
pas vrai, c'est pas vrai. Alors toi tu vas m'attaquer par où? Genre là, ok. Là, par là. Ouais, là-bas il y a une porte, ok. Donc de l'autre côté il y a quoi? Il y a une porte également. Mais vu qu'il y a lui qui m'empêche de... Pff, non mais sérieux, c'est abusé ça. C'est abusé. Hop là, esquive. Voilà, toi tu meurs en direct, effet de direct, hein. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce truc en fait? Faut que je fasse quoi avec ça? Faut que je tue ces ennemis là? Je sais pas, il faut que je fasse quoi? Alors on va continuer. Oh cool, de la vie. On va continuer tout droit, tiens. Ça a l'air d'être. Oui, c'est même très bien. On va continuer, on va continuer. Ah bah voilà. La forêt, attendez, je reviens en arrière, juste pour voir le haut. Bah attendez, il y a peut-être de la... Oh voilà, de la viande, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ah, le Maya, on va redescendre. J'ai pas envie de faire le Maya maintenant, parce que j'ai l'impression que les ennemis là-dedans sont beaucoup plus méchants. Voilà, hop. Non mais mec, va-t'en avec ton truc. Voilà, toi tu meurs. Là que je descende. Ma pièce. Ah non mais mec. Voilà. Oh, j'ai plus 49 points de vie quoi. Ouah, c'est quoi ce truc? Je crois que je l'avais déjà rencontré. Ah, j'ai des fourmis dans le pied. Là. Hop. Non, non. Il a fait un demi-tour direct, quoi. Non, mais 23 points de vie, je vais pas aller loin. Mais je vais mourir direct, là. Là, je vais mourir très vite. Oh là 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 là. Oh là 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 là. 5 points de vie. Mon dieu. Allez, la prochaine salle, je meurs. Pff, le tir dans le dos. Le tir dans le dos. Le tir dans le dos. Je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir, mais j'ai pas réagi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais point la raison à laquelle... Alors, votre stock de MP et de sont inversés. Qui l'a cru? Vous aimez les hommes? Oui, oui, ça je prends. Ça je prends. Il y a des grandes chances que je prenne ça. Vous avez tendance à exagérer. On vous refuse toujours l'accès des montagnes russes. D'accord, parce qu'il est tout petit. Alors, 700. 700. 700. Je vais acheter l'autre truc. Je vais acheter l'épée. Voilà, plus de dégâts, moins 30 de vie malheureusement. Ah ouais, plus 20 en truc là, je peux pas. Quoi prendre ça plutôt, plus 4. Voilà, on a 34, ce qui est très bien. 325, il n'y a rien à ce prix là ici. On va continuer. Allez, tiens, je te rends riche. Ouais, je sais ce qu'on va me dire, hein, que je donne tout mon fric à 40, ça n'a aucun sens. Il est hyper speed. Ça c'est bon. Vous voyez, là, il me donne 3000 trucs de poulet. En soi, c'est bien, hein. Mais au fait... Oh! Mais c'était l'œil de tout à l'heure, là, qu'on... Merde. Qu'on avait vu. Il m'a bouleversé, quoi. Mais arrête, meurs! Il y a des mini-boss à tuer dans le château qui peuvent donner un truc spécial, non? C'est pas ça, le truc. Il faudra juste que je retrouve le tableau. Peut-être c'est des boss qui me disent ouais tu es là avant, enfin des boss, des mobs un peu plus forts qui me disent de les tuer avant de d'attaquer la forêt. Histoire que je sois réellement prêt à l'attaquer. Poulet! Maya, on redescend.
Alors par contre je sais pas si c'est vraiment des trucs que tu tues et qui repop pas, ou si ça repop ces trucs là et qu'il faut que je les tue tous en une seule partie. Alors ça, la fontaine de jouvence, je vais pas l'utiliser maintenant. Non, je vais pas l'utiliser maintenant. Je vais pas l'utiliser maintenant. Alors toi, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, je te dis. Ah oui, mais j'ai des couteaux. Je viens juste de voir que j'avais mes couteaux. Voilà, hop. Mourez, mécréant que vous êtes! Alors, on va rattaquer cette zone. Ah, j'ai des fourmis dans le pied, c'est juste très contraignant, pour dire ça d'une manière polie. Voilà, toi, tu te suicides, on attend que ça, ça passe. Hop. Oh là là, j'ai sauté dessus. C'est assez fluctuant, vous ne voyez pas certaines couleurs en raison. Votre vision de loin est trouble. Ouais, d'accord. Bon, je vais prendre le char sur patte. Allez, ça va paraître bête, mais je vais améliorer ça parce que je commence à un peu à être limite au niveau du poids que je peux porter. Allez, tiens, je n'ai même pas regardé s'il y avait un truc que je pouvais faire avec. Il est redevenu lent, mon perso, c'est triste. Alors. Voilà, petit dash, je m'en suis rappelé ce coup-ci. Ah, petit coffre. Hop là. Non ! L'argent de Mopral. Voilà, le dash, ça peut ça sert en fait. Il faudrait que je m'en sers plus. Il faudrait que je m'en sers beaucoup plus. Vaincre tous les ennemis. D'accord. Ah oui, d'accord. Mais mec, j'ai pas des boules de feu comme ça! Ah, mais ça doit être l'un des boss du tableau également! Comme l'œil bleu. Ah oui, ça c'est. Il faut d'abord que je tue tous les ennemis de la zone pour avoir accès au coffre. Allez, viens là, viens, 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 viens! Voilà, ça y est. Ça y est, laisse-moi ouvrir ce coffre. Moi, rune accélération cap. Faudra que je regarde ce que c'est. C'est accélération de moi ou accélération d'autre chose. De moi, quand je veux dire ma vitesse de course, hein, je parle, attention. Oh là là là, réception dans les airs. Traître. Oh, mais arrête de leur sauter dessus, c'est pas vrai ça. Jean-Michel là-haut. Oh. On s'en sort bien, on s'en sort bien. Ok. Ok. Hey, il tire des trucs. Il tire des trucs. Il m'a bouleversé là, il tire des trucs. Non mais meurs quoi, meurs, je sais pas, fais ta vie de tableau quoi. Va dans un musée, je sais pas moi. Oh, il y a un coffre. Il y a un coffre.
Voilà. Non mais j'avais pas vu, j'avais plus vu l'autre en fait. Viens ici, viens ici, viens ici. Hop là. Voilà, argent. Donnez-moi de l'argent, c'est ça. C'est ça que je veux. Hop, ça me permet d'avancer plus vite. Mais moi j'ai jamais utilisé le dash. Mais pourquoi toutes ces heures à courir bêtement alors que le dash aurait suffi pour faire de plus longs trajets plus rapidement? Oui, entrée de journal. Allez. Alors, faut que je prépare ma voix parce que si je reprends une voix grave comme tout à l'heure, ça va pas le faire. Entrée de journal 10. Les emblèmes sur les portes du château constituent un indice. J'ai tué la bête géante qui correspond à l'un des icônes et j'ai senti quelque chose bouger derrière la porte de la salle du trône. Comme dans un rêve, je pouvais voir l'emblème de la sur la porte briller dans l'œil de mon esprit. Une expérience hors du corps assez incroyable. Au moins je sais que je suis sur le bon chemin, mais je dois accélérer le rythme ou le roi risque à tout moment de succomber à ses blessures. Mais d'abord, je dois me reposer. Demain, je pénètre dans la forêt. Ah, je crois que j'ai arrêté ces voix-là. J'ai vraiment... Ça me tue vraiment la gorge. Ça me tue vraiment la gorge. Alors, pardon, j'essaie de reprendre un peu ma voix. Voilà, hop. Mana que je ramasse alors que ça sert à rien vu que je suis full. Je m'en vais. Il y avait un coffre. Je m'en vais. Non mais sérieux, les pics là, t'es sérieux? C'est bon, faut arrêter maintenant. Oh poulet. Bon, ok, là je suis à la limite des ténèbres en fait. Voilà, on va repartir en haut. On va repartir par là. Mais pourquoi je lui saute dessus alors que je vois qu'il prépare son attaque quoi? Putain, le dash quoi, j'aurais dû faire du dash, là c'était sûr que ça passe sans problème. Voilà. Voilà qui est bon. Voilà, il me faut 1300, allez, 70. Ah, je veux mes 30 pièces d'or. Je veux mes 30 pièces d'or pour acheter la pièce d'équipement à 1003. Je veux mes 30 pièces d'or. Non, je veux pas repasser là. J'ai peur. Non mais, non, s'il te plaît. Meurs. Oui, je les ai. Oui, je les ai. Maintenant, j'ai envie de dire je peux mourir, mais j'ai pas envie en fait de mourir. Donc. Hop là, esquive. Non mais sérieux, j'ai tapé, j'ai appuyé sur la touche de tape, de te mettre un coup. Il y a un coffre en bas, il y a un coffre. 34 points de vie. Allez, je le fais. Vous allez voir ce que c'est, le talent. Voilà, et voilà, on récupère notre petit coffre, tranquillement, sans encombre. Hop, toi viens ici, tu vas mourir. Voilà, 42 points de vie, c'est pas grave, je finis le jeu avec. Moi ça me va, ça me suffit. Voilà, toi tu meurs. Hop. Voilà. Hop. Hop. C'est limite. Là, c'est limite. Voilà. Attends, faudrait que... Oh non, mais il y en a combien là?
Mais oui, j'ai des fous. Voilà, va-t'en. Oh, l'enchaînement du truc, quoi. Voilà, toi tu meurs, toi tu vas me sauter dessus. Saute! Non, toi tu meurs, j'ai entendu mon Steam. Ah, on me parle sur Steam. Alors, vas-y, saute là! Saute, il y a des pics, je peux pas descendre là. Tu meurs. Voilà. Hop, hop. Hop, voilà. C'est chaud, hein. J'ai la pression, je dois l'avouer, j'ai la pression que je vais mourir là. Je le sentais, j'ai trop voulu jouer le guerrier, j'aurais dû faire demi-tour et prendre un autre chemin. Bon, c'est pas grave, on a fini par avoir la somme qu'on voulait. On a 36 minutes déjà, oh, j'avais pas vu, aller. On va faire une dernière partie. Un héros pour les économes très faibles mais dispose d'une énorme bonus d'or. Ouais, à chasseur patte, vous êtes né pour faire du basket. Ouh, yeah. Alors, barbecue. Pardon. Pourquoi barbecue? C'est quoi le rapport? Un char sur pâte. Même des pâtes, il n'y a pas de rapport avec des pâtes et des barbecues. Un char sur pâte, ça... Enfin, bref. Votre stock de. C'est inversé. Je sais pas si. Non, on va faire une partie. Allez, on va faire une partie avec lui. 1700. Ouh, c'est beau. C'est beau, 1700. Ouh, je peux même prendre ça. Améliore vos capacités de pillage et soyez récompensé pour vos efforts. Alors je sais pas si je prends ma capacité. Quoique la capacité de pillage, on va dire que c'est un truc sur le long terme, quoi. Il est où le truc à 1300? Merde, le truc à 1300, je voulais prendre. Ça devait être une cape alors. 1300. Allez, quand même. Ah oui, je l'ai acheté, mais je peux pas la mettre. Ah, j'ai des fourmis, j'ai mal aux jambes. Il faut que je me dés... 420. Je prie les dieux que je puisse acheter ça. Non. Alors, faut que je fasse un sacrifice. Je fais un sacrifice. Je reprends mon épée de base. Mais je peux pas en fait, il faut vraiment que je fasse un sacrifice de ouf là. Faut à la rigueur que... Là si j'enlève mon casque... Voilà, de 277 on passe à 315, franchement y a vraiment pas photo quoi, j'ai envie de dire. Y a pas photo. Je reprends mon épée que j'ai acheté. 420, est-ce que je peux acheter un truc à 420? Ah oui, je peux acheter ça, voilà. Ça me donne ma magie. Voilà. On va y aller comme ça, hein. C'est pas grave hein, pour la cape. Alors, bon, allez, dernière try, j'allais dire dernier try. On a pris un gros bonhomme, histoire d'en découdre pas mal. D'accord, ok, je me fais allumer direct. D'accord, bien sûr, c'est des pièces que je peux pas récupérer. Bah bien sûr. Ça va de soi. C'est... Non mais attends, là il faut que je dash, on est d'accord. D'accord. Non mais attends, il est trop... Merde, je me suis trompé de touche en plus. Bon, je me sers du fait que je me suis fait toucher pour aller le chercher. En fait, je crois que je vais pas faire long feu avec lui. Hein. Voilà. Non mais mec, je vais quand même chercher le coffre. Hein. Non mais en fait, char sur patte de rien du tout. Hein. Je vais mourir extrêmement vite. Voilà, je vais mourir extrêmement vite. Hein. Voilà, toi meurs. On va essayer de se concentrer un peu plus parce que là, c'est vraiment un foutoir pas possible. Je fais n'importe quoi et tout. Voilà. On va essayer de récupérer un peu plus de vie. Voilà. Bibliothèque qui me bloque. Enfin, qui me dit que j'ai être en haut. Voilà. Merci. Voilà. Ouh là là, il y a de la vie partout. Ouais, c'est cool ça. Ça c'est cool. Ça c'est cool, on peut le dire. Voilà. Hop.
Voilà, on a un peu rattrapé le la connerie que j'ai faite tout à l'heure. Voilà. Là, on va passer de l'autre côté. Je vais me manger. Voilà, voilà, c'est ça que j'aime voir, mon ami. Hop, toi meurs. Donc je pense que c'est en un seul try qu'il faut que je tue les monstres du tableau. Hein, parce que vous avez bien vu que l'œil bleu est réapparu, du coup. Donc je pense que c'est ça. Ça va être chaud. De les trouver et de les tuer, ça va être chaud. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà, bon, ça va. Au niveau vie, on a un peu rattrapé le truc, mais bon, même si j'en manque un peu. Alors, l'ancienne salle du boss. Là, normalement, il y a de l'argent. Ça. Non, je ne peux plus y rentrer. Je ne peux plus rentrer, je sais pas, je me disais, j'allais peut-être y rentrer, rencontrer un mob assez fort en soi. Non, attends, mais mec, calmez-vous, calmez-vous. Non mais meurs toi, meurs là, oh, c'est bon, faut arrêter maintenant. Est en carton, c'est un mage en carton, idéal, une salle en carton, voilà, ça c'est fait, j'oublie une petite pièce, allez un poulet, allez un poulet, un poulet, un poulet, non, un poulet sur les lustres, un poulet, un poulet, un poulet, un, non, bon, bah, tant pis. Là je reviens à la salle où j'étais avant, donc on va aller là. Oh, entrée de journal, je crois que je vais la lire normalement, celle-là, parce que je m'arrache la gorge depuis tout à l'heure. Donc, entrée de journal numéro 11. Cette forêt ne semble à rien... C'est nul. Cette forêt ne semble rien de ce que j'ai vu avant. Elle est à la fois paisible et effrayante. L'herbe sur laquelle je me tiens est abondante. Mais à côté de moi, s'ouvre un gouffre si gigantesque et si profond que j'ai peur qu'il m'aspire. Je le fais assez doucement. Je n'ai toujours pas entendu l'écho de la pierre que j'ai jetée plus tôt. Un seul faux pas et ma chute sera éternelle. Cette pensée fait froid dans le dos. Passer l'éternité dans les ténèbres me semble bien plus effrayant que n'importe quelle bête que j'ai affrontée jusqu'ici. Si je tombe, qu'est-ce qui me tuerait? Qu'est-ce qui me tuerait en premier, pardon? La faim? Ou moi-même? Aparté. Je dis normalement. Désormais, j'utilise la faille de la forêt comme toilette, personne. Je me demande si je vais caca ça dans une autre. Ah oh non, j'aurais jamais pensé qu'il aurait fait ça. Il était pas obligé de se dire. Ah, c'est horrible. Ah, j'en peux plus. Ah, sérieux. Putain, alors il se passe des trucs. Oh mon dieu. Alors, oui, je sais. Alors. Astringram, piqué, piqué, collégram. Je sais plus c'est quoi la suite. Bourré, bourré, ratatam. Astringram, ça du milieu. Qu'y a-t-il dans la boîte? Rien, d'accord, ok. Pardon. Bon, bah, c'était inutile. Alors. On va repartir par ici. Voilà, hop. Alors là, hop. Poulet, voilà. Poulet, c'est très bien, le poulet. Le poulet, c'est très bien. Très bien, continuez à m'en donner. Continuez à m'en donner. Continuez à m'en donner. Voilà. Je pensais que le tableau était méchant, j'ai eu l'impression de l'avoir vu bouger, mais c'est juste une impression.
Alors, on va descendre juste là. Là, toi. Il a fallu que je me le mange, quoi. Je le vois venir à 10 km son truc et il a fallu que je me le mange quand même, quoi. Ouah, c'est quoi ce zombie? Zombie de la mort! Va-t'en! Sûrement un autre du tableau. Bon. Voilà. Poulet, oui, poulet. Voilà, hop. Un peu de mana. Un peu de poulet. Oh, une entrée de journal. Non, je veux pas la lire. Je veux pas la lire, on a fait que ça. Forêt d'avait. Non, en fait, ce que je cherche, c'est le tableau. Vous savez, le tableau avec les personnages qu'on a vus, là, les monstres à tuer. Pour voir si c'est bien ça qu'il faut faire, entre autres. D'accord, donc là, je ne peux pas l'atteindre. D'accord, je me trompe de gâchette pour le dash. Voilà, si je peux l'atteindre avec le dash. Non, mais mec. Voilà. Alors, hop. Mais ça sert à quoi cette pièce? Non, sérieux. Non, quand tu fais un jeu, un minimum de respect du joueur, donc quand tu fais une pièce, tu te dis, elle va lui servir plus ou moins à quelque chose. Alors attendez, je regarde la map, je m'en sers absolument jamais de cette map, mais il est temps, hein, il y a un début à tout, j'ai envie de dire. Alors on va aller par là, voilà, ici, il y a encore du château. On va nettoyer le château à fond, on va faire un ménage de photocomble. Alors, déjà la vidéo va durer énormément de temps, ça va faire plaisir à monsieur Cougnac. Oh, oh, oh. Ouais, d'accord. Oh, tir téléguidé, quoi. Violence. Je vais bientôt mourir. Mazette. Oui, je continue, je suis fou, moi. Je m'étais arrêté au bon milieu, quoi. Alors, hop. Alors, hop. Voilà qui est... Oh. Voilà, alors, attendez. Map. Alors, voilà, en bas, ça remet notre truc. Et de point d'interrogation, je suis allé maintenant. C'est quoi, hein? Une entrée de journal, d'accord. Ah oui, et toi, hein? Vous pouvez les enlever, hein, les points d'interrogation, quand le truc est utilisé. Hein? Ça facilite la lecture. Alors, hop. Ah bah, on va aller tout en haut. Voilà, ici. Ne subissez aucun dégât. Mais mec. J'ai peur, quoi. J'ai pas beaucoup de vie, du coup, je vais pas le tenter. Non, j'ai pas envie de le tenter, quoi. J'ai peur. Je veux dire ce qui est, j'ai peur, oui, j'ai peur de perdre ma vie bêtement et de devoir recommencer le truc du tableau, là. Je sais pas si ça sert à quoi, en fait. Je sais même pas si c'est réellement ça. Mais, voilà, quoi. Je veux voir. Mais va-t'en, toi. Ah, d'accord, ok. Voilà, ça c'est très très beaucoup bien. Ne subissez aucun dégât. Voilà, bon, c'est foutu. Ah oui, mais il fallait que je passe, en fait, tout simplement. Mais pourquoi je suis passé? Maintenant je vais mourir de manière extrêmement bête. Voilà, autant se suicider, j'ai envie de te dire. Autant se suicider. Bon, ça fait une très belle... ça fait une très belle partie à la fin. Malheureusement, c'est la fin. Et ben moi, oui, je vais peut-être annoncer. Oui, je vais l'annoncer. Je vais lancer un nouveau let's play. Bah, demandé toujours par Cognac sur Volgar the Viking par Steam. Sur Steam. Et donc, voilà, ce sera l'autre vidéo qui accompagnera Rogue. Deux jeux bien relous, en fait. Histoire de bien accentuer la chose. Donc qui arrivera en fin de semaine, hein, puisque
parce qu'il n'y a pas d'autres vidéos pour l'instant. Du coup, voilà. Donc, moi, je vous retrouve à la fin de la semaine pour la première partie de Volgar. Et cette 7ème partie de Rogue Legacy se termine sur, je pense, une belle partie. Quand même, c'était une belle vidéo en soi. Bon, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou soirée. Ça dépend quand vous regarderez. Allez, ciao, bye bye tout le monde.